matin, bienvenue à la matinale. On est ensemble avec Stéphane Kéry. Quelle joie de vous retrouver pour un moment béni. Alors qu'on prie, on loue, on partage la parole ensemble à des kilomètres de distance à tous les matins. Tellement une joie. On est à plus de 550 et quelques matinales incroyables. Merci de votre fidélité à être là tous les matins. Et n'hésitez pas à m'envoyer vos sujets de prière sur les infos qui apparaissent maintenant au bas de l'écran. On démarre cette matinale avec ce merveilleux chant qui s'intitule « Nous ne tremblerons pas ». Alors, la petite flèche pour les paroles de ce matin. On y va ensemble. Mon Dieu est notre confiance. Et par son amour immense, nous ne tremblerons pas, nous ne tremblerons pas, nous ne tremblerons pas. En Dieu est notre confiance, et par son amour immense, nous ne tremblerons pas. Nous ne tremblerons pas, nous ne tremblerons pas. Si la guerre fait rage, nous tiendrons fermement. Si toute une armée se lève autour de nous, nous ne tremblerons pas, nous ne tremblerons pas, nous ne tremblerons pas. Et même au plus fort de l'obscurité, nous ne tremblons pas, nous n'avons pas peur. L'espoir se lève comme la lumière du jour, car Dieu est pour nous, il a triomphé. Oh Dieu est notre confiance. Son amour immense, nous ne tremblerons pas, nous ne tremblerons pas, nous ne tremblerons pas. Ton Dieu est notre confiance, et par son amour immense, nous ne tremblerons pas. Nous ne tremblerons pas, nous ne tremblerons pas. Nul ne tiendra contre lui, car Dieu est le plus fort, c'est lui qui peut tout. Quel autre nom invoquer? Tu es le plus grand, en lui je peux tout. Nul ne tiendra, nul ne tiendra contre lui. Tu es le plus fort, c'est lui qui peut tout. Quel autre nom invoquer? Tu es le plus grand, en lui je peux tout. Mon Dieu. Notre confiance et par son amour immense, nous ne tremblerons pas, nous ne tremblerons pas, nous ne tremblerons pas. Mon Dieu est notre confiance et par son amour immense. Nous ne tremblerons pas, nous ne tremblerons pas, nous ne tremblerons pas. Bien sûr, nous ne tremblerons pas. Le retour, le thème de ce matin, le retour du Seigneur est proche. Croyez-vous cela?
Oh, il n'y a pas de panique à y avoir. Dans Jacques 5, 7 à 8, ça dit « Soyez donc patients, frères et sœurs, jusqu'au retour du Seigneur. Voyez le cultivateur, il attend le précieux fruit de la terre en faisant preuve de patience envers lui jusqu'à ce qu'il ait reçu les premières et les dernières pluies. Vous aussi, soyez patients, affermissez votre cœur, car le retour du Seigneur est proche. » Et j'aime ce que quelqu'un mentionnait par rapport à ce texte, tout comme un cultivateur ne peut accélérer le processus de sa récolte, il doit attendre avec patience. Et évidemment, il ne va pas non plus quitter sa récolte juste à la pensée que tout va bien aller, tout va bien se passer, on peut aller partir en voyage et tout cela. Non, non, non. Vous et moi ne pouvons pas, bien sûr, précipiter ou accélérer le retour de Jésus. Par contre, en attendant son retour, nous pouvons faire quelque chose. Nous pouvons faire tout ce que nous pouvons pour faire avancer son royaume. Nous pouvons servir, nous pouvons bénir, nous pouvons être utiles avec les talents que Dieu nous a donnés, car nous avons tous reçu quelque chose de la part de Dieu. Et dans tous les cas, son retour est sûrement plus proche que la première fois dont nous en avons entendu parler, n'est-ce pas? Alors, ça dit dans Romains 13, 11, « C'est d'autant plus important que vous savez quel temps nous vivons. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous qu'au moment où nous avons cru. » Évidemment, c'est certain. Et ça va toujours être, plus le temps va avancer, plus ça va être prêt. Alors évidemment, Dieu est patient. Êtes-vous content ce matin? Contente que Dieu est patient envers nous et heureusement, car il veut que tous parviennent à la repentance. Bien sûr, ce n'est pas un discours populaire lorsque nous parlons du retour de Christ, lorsque nous parlons de repentance, mais la réalité est que, justement, dans 2 Pierre 3:9, le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse comme certains le pensent. Au contraire, il fait preuve de patience envers nous, voulant qu'aucun ne périsse, mais que tous parviennent à la repentance. Vous savez, on n'a pas été... La nature humaine n'a pas été créée pour l'enfer. L'enfer, c'est pour Satan et ses démons, c'est pas pour nous. Si les humains qui malheureusement se retrouveront là, c'est parce qu'ils auront choisi tristement d'aller là. Alors, mais Dieu ne veut pas ça. Dieu ne veut pas ça. Il a donné tout ce qu'il fallait. Dieu a tout donné, a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alors, Dieu ne nous a pas créés pour périr à la fin. C'est pas... Dieu n'est pas... comment un mercenaire, comme on dit. Et dans notre nature humaine, êtes-vous d'accord, lorsqu'on lit ce texte-là, il fait preuve de patience. Dieu est patient. Et dans notre nature humaine, nous ne sommes pas patients. Dans notre nature humaine, peut-être vous, mais pas moi. Nous n'aimons pas attendre. Nous avons faim. Ça, pour le McDo, pas vraiment. Alors, pour certains, ils vont McDrive. Ici, c'est pas le McDrive. Hein. Ici, au Québec, on dit c'est le service au volant. Le service au volant. Alors, vous appelez ça le McDrive. Ou si on a bien faim, on est à la maison, bien on se fait réchauffer un repas au micro-ondes, n'est-ce pas? Alors, notre société en est une qui n'aime pas attendre. Alors, elle produit des choses pour ne pas être obligée d'attendre. Alors, quelqu'un disait, les solutions instantanées sont vite oubliées. Mais plus nous devons attendre et mûrir avec foi, plus nous devenons forts, à la fois mentalement et spirituellement, et plus grande sera la victoire. Alors comprenons que nos prières sont entendues. Ils sont entendus directement, nos prières, mais ça ne veut pas dire qu'elles doivent être répondues dans l'immédiat. Dieu n'a jamais promis qu'il répondrait à nos prières dans l'immédiat. Il y a quelque chose de constructif, je crois, et de puissant. On n'aime pas ça, mais il y a quelque chose de constructif et de puissant dans l'attente.
dans cette attente à nos prières. Et je crois que nous devrions même garder notre joie dans l'attente. Parce que ça, premièrement, si on garde notre joie dans l'attente, c'est parce que c'est une réponse à notre confiance en Dieu. Car Dieu sait que ce qui est le meilleur pour nous. Croyez-vous cela? Dieu veut le meilleur pour nous. Il veut le meilleur. Il désire très certainement affermir notre cœur. Alors aujourd'hui, rendons grâce à Dieu pour sa patience envers nous déjà, pour sa patience et envers tous ceux qui viendront à lui dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, dans les prochaines années. Mais Dieu veut très certainement encore sauver une multitude. Et oui, bien sûr, son retour est très certainement plus proche qu'au début. On ne sait pas quand, mais quand même, il y a quand même des signes ici et là, des signes de la fin. Comme on dit, comme quelqu'un disait, Jésus a le pied sur le seuil de la porte. Et il faut se préparer. Préparez-vous, préparons-nous, comme s'il devait venir demain. Alors on va prier, si vous voulez bien ce matin. Alléluia. Seigneur, nous prions pour ceux qui sont atteints psychologiquement suite à cette pandémie et tout ce qui se passe sur la surface de cette terre. Merci Seigneur, afin que dans ces temps de la fin, une multitude se tourne vers toi et puisse, Seigneur, ouvrir leur cœur avec repentance et qu'ils puissent recevoir ton amour dans le nom de Jésus, ton précieux nom. Seigneur, nous prions pour ta faveur sur l'Église locale. Merci de donner ta faveur à l'Église locale, Seigneur, et que nos gouvernements puissent voir l'importance, même l'essentiel de cette Église dans la ville pour le bien-être des gens, le bien-être de notre société, Seigneur. Merci pour... Seigneur, il me vient une pensée pour nos amis autochtones, afin qu'ils soient consolés avec toutes les injustices qu'ils ont subies. Seigneur, je prie qu'ils soient bénis. Je prie qu'ils soient, relevés, consolés par ta main toute puissante. Et qu'une multitude d'entre eux puisse se tourner vers toi par ta main toute puissante. Seigneur, merci de les combler, de les bénir. Merci encore une fois pour mes frères et sœurs connectés ce matin. De les bénir, de les accompagner. Et qu'ils puissent toujours marcher plus près de ton cœur. Dans le nom de Jésus. Amen. Mon Dieu est notre confiance et par son amour immense nous ne tremblerons pas, nous ne tremblerons pas. Nous ne tremblerons pas. Dernière fois ensemble. Mon Dieu est notre confiance et par son amour immense nous ne tremblerons pas. Nous ne tremblerons pas. Nous ne tremblerons pas. Ne tremblerons pas, même avec ce que nous entendons et ce que nous voyons, parce que Dieu est en contrôle, il veille. Alors, merci d'avoir été là ce matin, que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse, et demain matin, Dieu voulant, on est ensemble.